إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، شير فرير أن إسلام وشير سير أن إسلام، avant notre sermon, nous avons chanté le louange à Allah. Allah qui a créé vous et moi. Il a créé les cieux et la terre. Et c'est vers lui nous allons retourner. La plupart d'entre nous, on ne se rend pas compte des bienfaits de Dieu. Mais lorsque vous en méditez, vous allez voir que chaque jour, chaque moment, chaque seconde, Dieu, il est en train de nous faire beaucoup de choses. Et on le remercie et le loue pour tous ses bienfaits. Nous avons demandé la protection de Dieu contre tout mal qui va venir de nous. Nous avons demandé sa protection aussi contre ce que nous allons faire qui va l'énerver, qui va faire qu'il va nous maudire et qui va faire certainement que le jour de la résurrection, on serait parmi les perdants. Donc, qu'Allah nous en préserve. Et nous avons attesté qu'il n'y a de divinité sauf Allah et que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Le message, il nous a transmis. Il n'a rien diminué, il l'a transmis en intégralité. Qu'Allah fasse qu'on suive son message pour que le jour de la résurrection, nous soyons parmi les gagnants. Nous avons aussi dit que toute personne qu'Allah guide, la personne est guidée. Et celui qu'Allah égare, la personne est égarée et il n'y aura personne d'autre qui peut le mettre sur le droit chemin. Et souvent, des personnes, excusez-moi le terme mal intentionné, utilisent ce passage pour dire qu'on n'a pas besoin de faire un effort sur le plan islamique, parce que si Dieu veut, il guide, s'il ne veut pas, il ne guide pas. Mais en fait, le sens du verset, c'est que lorsque vous faites des efforts, bien sûr, Allah peut guider, il a ce pouvoir, il peut le faire, bien sûr. On ne peut même pas se douter de cela. Mais le sens profond, c'est que lorsque vous faites des efforts pour vous rapprocher de Dieu, Allah voit cet effort-là et il essaie de vous guider. Mais si vous dites, oh, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'avoir des informations sur l'islam, je n'ai pas besoin de faire des efforts, vous vous retrouvez dans les milieux où Allah ne veut pas, vous allez voir qu'il vous égare et c'est difficile que vous soyez guidé. Et il y a un verset similaire dans le Coran où Allah dit qu'il donne la richesse à qui il veut. Mais aucun d'entre nous ne s'est enfermé dans sa chambre, dire que, oh, comme il a dit qu'il donne la richesse à qui il veut, je vais m'enfermer dans la chambre. Et s'il veut, il va m'amener de l'argent. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Non. Nous sommes en train de chercher, voir comment on va survivre. Et c'est la même chose sur le plan islamique. Donc, qu'Allah nous facilite donc ce droit chemin. Le thème de notre sermon aujourd'hui, en fait, je sais que c'est le moment de Hajj. Ça devait être Hajj.
Mais moi, comme c'est les dirigeants m'ont donné cette opportunité, je vais nous prodiguer des conseils plutôt. Et parmi ces conseils, bien sûr, le Hajj va revenir à la fin. Le conseil que je vais nous donner, nous savons que tous ici et tout le monde entier, on ne cherche que le bonheur. Nous sommes à la recherche du bonheur. Quel que soit ce que nous faisons, c'est le bonheur qu'on cherche. Si on veut l'argent, c'est pour vivre heureux. On veut une belle maison, c'est pour vivre heureux. Une bonne femme ou bien un bon mari, vous allez voir si vous méditez que nous sommes à la recherche du bonheur. Et mon conseil à vous tous, je vous jure au nom de Dieu qu'il n'y a pas de bonheur si ce n'est pas l'islam. Je vous le jure. Si vous voulez le bonheur dans ce monde, wallah, faites tout possible pour suivre les recommandations de Dieu. Et si vous le faites, vous allez vivre heureux. Je peux m'arrêter ici pour dire que, prions. Mais si je le fais, certainement beaucoup de personnes seront en retard. Donc, je vais élaborer. Je vais vous donner un exemple par parole pour la plupart d'entre nous. Vous allez voir que parfois, lorsque on est en retard sur une prière, peut-être si c'est jour, le temps est en train de passer, on n'a pas fait la prière. Est-ce que vous remarquez le poids que nous sentons sur nous? Vous le remarquez? Donc, vous allez voir que c'est comme quelque chose vous dérange tout ça. Donc, c'est la même chose. Lorsque nous ne suivons pas les recommandations de Dieu, en fait, c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'entre nous, on fait tout, mais on n'est pas heureux. Même les Européens. J'ai dit, bien sûr, même les Européens. Le taux de suicide dans le monde entier est plus élevé même chez les Européens que chez nous. Donc, c'est en fait mon conseil aujourd'hui. Donc, comment nous allons faire donc pour nous rapprocher de Dieu? Je vais faire la synthèse. Et cette, pardon, mon français n'est pas, excusez-moi mon français, mais je vous prie de me suivre dans ma logique. Parfois, ça peut être beaucoup d'informations, mais il y a une logique que je suis en train de suivre. Donc, si vous avez beaucoup d'informations sur le plan islamique, beaucoup de prêches chaque jour dans les médias, les sociaux, les réseaux sociaux, presque un peu partout, c'est les prêches. On se demande toutes ces informations, comment on va les cerner, comment on peut pouvoir mettre ça en pratique. Donc, voilà un autre conseil. Dites-vous, ou bien faites la synthèse de la religion pour vous rendre facile les choses. Et cette synthèse, en fait, nous avons trois choses. La première des choses, en tant que musulman, il faut faire tout pour respecter les recommandations divines. Lorsqu'Allah vous recommande de faire quelque chose, faites tout pour le suivre. Lorsqu'Allah vous demande, ou bien Allah vous interdit quelque chose, faites tout pour l'éviter. Et en faisant cette chose, ces deux choses, quel que soit ce que vous allez faire sur le plan islamique, il faut le faire seulement pour Allah. C'est tout. Bon, certaines peuvent mettre une quatrième chose, mais moi je mets ça parmi les recommandations. C'est que lorsque vous voulez faire toute chose sur le plan islamique, il faut le faire selon les sunnahs du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez faire une prière, vous doublez la prière de jour, vous faites au lieu de 4, vous faites 8. Il y a un grand effort, mais Allah ne l'accepte pas. Donc, ces trois choses-là, il faut avoir toujours ça en esprit. Je vais donner quelques exemples de chaque, surtout les recommandations divines et les interdits. Je ne vais pas parler de la prière, je ne vais pas parler de Hajj, je ne vais pas parler de, comment l'appelle-t-on, des jeûnes du mois de Ramadan. Mais je vais plutôt parler des choses qui vont vous rapprocher plus de Dieu, ou bien qui vont nous rapprocher plus de Dieu, que ce que je viens d'énumérer. Parce que
La prière, c'est une obligation. Le jeûne de Ramadan, c'est une obligation. Le hajj, c'est une obligation. Mais ce qui peut nous rapprocher plus de Dieu, c'est le sunnah. Les choses qui ne sont pas une obligation pour nous. C'est lorsque vous faites ces efforts-là que ça va vous rapprocher de Dieu. Et je vais mentionner seulement trois que la plupart certainement d'entre nous font déjà. C'est pourquoi je dis, il y a une logique, ce que je suis en train de faire, mais il y aura beaucoup d'informations. Qu'Allah fasse qu'on puisse accepter ou bien pouvoir le mettre en pratique. La première des choses, mes frères, que je vais nous conseiller, c'est les prières surrogatoires de la nuit. Il n'y a pas de sunnah plus aimé par Allah que se lever la nuit pour faire des prières surrogatoires. Au moins deux rakats. Et on n'est pas obligé de se réveiller toute la nuit. Il faut au moins utiliser, même si c'est 10 minutes, ou bien 15 minutes, ou bien 30 minutes, selon votre effort. Ayez cette habitude-là de vous réveiller la nuit et faire une prière surrogatoire. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a une heure dans la nuit où Allah descend pour accepter les prières. Et la plupart d'entre nous, on crie, on a des problèmes, on a ceci. Mais il y a un moment où vous serez en contact direct avec Allah. Bien sûr, on est en contact toujours, mais lui-même, il a dit que c'est en ce moment-là, il vient, il nous demande qui veut m'appeler et je vais l'accepter. Qui veut demander pardon, je vais le pardonner. Donc, pardon, ayons cette habitude-là. Si on ne le fait pas déjà, il faut commencer déjà à le faire. La deuxième chose, c'est les jeûnes qui ne sont pas obligatoires. Et il y a trois types. Il y a les jeûnes de lundi et de jeudi, parce que c'est à ce moment, ces jours-là, qu'Allah élève, que les anges amènent nos œuvres vers Allah. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il veut, en ce moment-là, qu'il soit en période de jeûne. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez adopter le jeûne, trois jours de jeûne par mois. Pourquoi? Parce que nous savons, si on fait une bonne œuvre sur le plan islamique, on a combien de récompenses? On a 10 récompenses. Donc, si vous jeûnez un jour par mois, ça veut dire que vous avez la récompense de quelqu'un qui a jeûné 10 jours. Vous jeûnez 3 jours, ça veut dire que vous avez jeûné tout le mois de Ramadan, tout le mois. Donc, celui qui prend cette habitude-là de jeûner 3 fois par mois durant toute sa vie, il a la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute sa vie. Vous voyez l'importance? Mon troisième conseil, c'est le salat duha. Et la plupart d'entre nous, on le néglige. Mais c'est très important. Vous savez, nous avons des articulations. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chaque jour, il y a une obligation pour nous de payer sadaqa pour ces articulations-là. Je pense que la médecine, les scientifiques sont ici, ils sont 300 quelque chose, Allah sait. Donc si vous faites Allahu Akbar, c'est sadaqa. Subhanallah, sadaqa. La ilaha illallah, c'est sadaqa. Mais selon le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui peut faire la synthèse de tout ça, là, c'est le salat duha. Donc c'est cette prière-là que nous faisons dès le lever du soleil jusqu'à un peu avant midi. Je nous conseille de prendre cette habitude-là de jeûner et de faire cette prière, au moins deux rakats. Je vous en prie, ne prenez pas trop. On peut faire deux, le maximum c'est 8. Mais je nous conseille de prendre peu pour aller loin, au lieu de prendre beaucoup et on n'ira nulle part. Donc celui qui arrive à le faire, il y a beaucoup de... Vous pouvez faire des recherches sur votre doigt, vous allez voir les bienfaits de cette prière. Donc, c'est mon troisième conseil. Ça, c'est pour les recommandations divines. Maintenant, les interdits. J'ai aussi trois conseils. Et le premier conseil, mes frères, c'est que je nous conseille de faire un grand effort pour éviter, c'est le mensonge. Le mensonge. Si je le dis tout de suite, on ne doit pas mentir, les gens vont dire que c'est impossible de ne pas mentir. Et donc, si c'est impossible, donc, mettons un grand point d'interrogation sur le fait qu'on s'appelle musulman alors. Parce que le prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, on l'a demandé beaucoup de péchés. Est-ce que le musulman peut faire ceci, le musulman peut cela? Il a dit, oui, ça arrive. Mais lorsqu'on l'a mentionné, le mensonge, il a dit que ce n'est pas le propre d'un musulman de mentir. Donc, mon conseil aujourd'hui, mes frères, faites un grand effort pour éviter, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de vos temps, le mensonge. Wallahi, si on se dit musulman, hein, il faut faire un grand effort pour éviter, parce que ce que nous ne comprenons pas, lorsqu'on dit « Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum », tu dis à ton frère ou bien à ta sœur, assalamu alaikum, indirectement, tu dis à la personne que tu peux me faire confiance en tout moment et en tout lieu. Donc, lorsque vous êtes en train de parler avec votre frère, votre sœur musulman, vous mentez, vous avez le pacte-là que vous avez signé entre vous, vous l'avez rompu. Donc, mon conseil, pardon, essayons de faire un grand effort. C'est possible. Je vous jure que si vous essayez, vous allez voir. À chaque fois que vous êtes avec un frère musulman ou bien avec votre frère ou votre sœur, automatiquement mettez en votre tête que je vais faire tout pour ne pas mentir. Le deuxième conseil, dans les interdits, c'est de faire tout pour éviter de parler des mal des autres lorsque vous êtes à 2, 3, 4, quel que soit le nombre. Et les deux choses-là, je viens de mentionner, c'est encore un problème. Parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on se met à deux, la meilleure de conversation, c'est de parler mal des autres. C'est la meilleure de conversation. C'est très difficile de voir au moins deux personnes faire une discussion jusqu'à la fin de la discussion, ne pas mentir, et ne pas parler mal des autres. Même le mensonge, les deux cas. Donc, je vous en prie, si on veut vraiment se rapprocher de Dieu, si on veut faire tout pour plaire à Dieu à tout moment, wallahi, ayons cette habitude-là de ne pas parler mal des autres. Vous voyez, vous êtes en groupe, on est en train de parler mal d'autres, ne prenez pas part à la discussion. Si vous pouvez, même excusez-vous, si vous pouvez, conseillez-les. Donc, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est d'éviter la colère. La colère. Ce n'est pas en fait un péché de se mettre en colère, mais si vous voyez beaucoup de versets, dans beaucoup de choses, même sur le plan scientifique, la colère n'est pas bon pour notre santé. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la même chose, surtout nous les musulmans, on se querelle. À chaque fois, c'est des querelles. C'est très difficile aussi qu'on soit en un groupe sans qu'on se querelle. Et tout ça, là, ce qui arrive, c'est la colère. Donc, je nous conseille, chers frères musulmans, chères sœurs, d'éviter les colères. À chaque fois que quelqu'un vous fait quelque chose, vous avez deux options parmi tant d'autres. Vous pouvez pardonner la personne sans que la personne ne sache même que vous l'avez pardonné. Vous vous rappelez un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui on prévoit déjà le paradis. Pourquoi? Parce que selon les recherches, c'est très long, on n'a pas assez de temps. La personne, à chaque fois avant de se coucher, pardonne tout le monde avant de se coucher. Pardon, essayez de faire la chose. La plupart du temps, c'est que, vous voyez, si vous voulez atteindre un objectif, tous les moyens sont possibles. Légal, bien sûr. Parfois même, il y a un conflit entre vous deux ou bien quelqu'un vous fait quelque chose, si c'est votre femme, votre mari, vos enfants, vos collègues, même si vous avez raison, pour la seule raison de la cohérence, c'est-à-dire essayez, même si vous avez raison, de pardonner. On a l'impression que, bon, le faire, on va nous trouver faibles. Mais soyez faibles dans ce bas monde, le jour de la résurrection, wallah, vous serez parmi les gens honorés. Donc, je nous conseille de faire tout ce que nous pouvons faire
pour éviter les colères. Vous savez, dans Surat Al-Imran, Allah, lorsqu'il parle de gens qui ont la foi, qui le craint, il a dit « Wal kazu min al-gayz, wal anfin an-nas, wallahu yuhibbul muhsinin ». Donc, parmi les caractères des gens qui ont vraiment la foi, qui croient vraiment en Dieu, qui craignent Dieu, ils pensent toujours à Dieu, wallahi, Allah dit, lorsque quelqu'un leur fait quelque chose, « wal kazu min al-gayz », ça veut dire que vous essayez de vous calmer vous-même, quoi. Vous supprimez la colère en vous. Quelqu'un vous fait quelque chose, vous pouvez, toute votre force de colère, ça peut tomber sur la personne, mais vous dites, ah, je vais pardonner cette personne, pas à cause de cette personne, mais à cause de qui? De Allah. Wallahi, c'est un grand caractère de celui qui craint Dieu. Wal kazi min al-gayz, wal afina an-nas. Donc seulement, vous savez, les gens disent qu'on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais moi, sur le plan islamique, et essayez de le voir, vous allez voir que sur le plan islamique, on peut pardonner et oublier. Oublier ne veut pas dire que ça va sortir carrément de notre mémoire, non. Mais on peut oublier comment, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose et que vous décidez de pardonner la personne, la prochaine fois que vous rencontrez la personne, votre relation, votre conversation, il faut que ça soit exactement la même chose comme avant le problème-là, ou bien meilleur même. Lorsque vous faites ça, ça veut dire que vous avez oublié. Ou bien, ça veut dire que vous avez oublié. Donc, pardon, essayons d'avoir ce comportement, essayons d'adopter ce caractère-là. Qu'Allah accepte nos prières, Inch'Allah. Akulikov de Haza, Wastanfilani, Wallakou. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah nous rapproche de lui. Donc, je vais aller dans la deuxième partie de notre serment. Et nous, pour ceux qui viennent en retard, on s'est dit que nous tous, nous sommes à la recherche du bonheur. Et on se dit qu'il n'y aura jamais de bonheur si ce n'est la religion islamique. Et, wallahi, j'ai juré au nom de Dieu, ceux qui sont, ils sont, les savent. Wallahi, il n'y a pas de plaisir maintenant que l'on peut. C'est comme on a déjà tout vu, quoi. Wallahi, on a déjà tout vu, entre guillemets, quoi. Wallahi, si vous voulez être heureux, si on veut être heureux, rapprochons-nous de Dieu. Et même, ne pas nous rapprocher de Dieu, ne pas accepter cette recommandation de Dieu, ne pas faire ce que Allah nous recommande de faire et éviter ce qu'il ne veut pas, c'est nous faire du tort. Combien de temps on va vivre? L'exemple de celui qui ne veut pas se rapprocher de Dieu, moi, parfois, c'est comme si quelqu'un vous promet 1000 francs par jour pour un mois seulement. Et au même moment, quelqu'un d'autre, B, vous promet 1 milliard par jour pour toute votre vie. Et vous décidez de prendre l'option, la première option. Vous allez dire, oh non, moi je vais prendre 1000. C'est pratiquement la même. L'exemple, Walilah il Masla'ala. C'est. Le monde, quel que soit ce qu'on va faire, beaucoup d'entre nous, dans 100 ans, à partir de maintenant jusqu'à 100 ans, la plupart, sinon nous tous, personne ne serait dans ce monde. On retournera vers Dieu. Et on y sera pour toujours. Pour toujours. Donc comment, quelle sorte d'investissement, quelle sorte de business, on va, si nous sommes des intellectuels, la plupart d'entre nous, des étudiants, des professeurs, nos aînés sont ici. Quelle raison? Dieu, dans le Coran, il parle de gens qui sont doués d'intelligence. Qu'est-ce qui peut nous faire que nous allons opter pour ce monde-là au lieu de l'autre? Et ne faisons jamais d'erreur. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de belles maisons, de belles voitures, de bons maris, de bonnes femmes. Ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir tout ça là, mais toujours dans la logique islamique. C'est tout ce qu'il y a. Tout,
tous les plaisirs du monde, vous pouvez les avoir. Toutes les voitures du monde, tout ce que vous voulez comme plaisir, wallah, l'islam ne l'interdit pas. Aussi longtemps que vous êtes dans les limites islamiques, il n'y a pas de problème. Donc, mes chers frères, je vous en prie, on a l'impression qu'on a le temps, mais nous n'avons pas le temps. Essayons de nous rapprocher vers Dieu pour notre propre bien, dans ce monde d'abord, avant l'autre. Qu'Allah nous facilite. Et comme nous l'avons promis, comme c'est le Hajj, le moment du Hajj, le conseil que mon dernier conseil, donc maintenant pour les Hujjaj, c'est le verset 197 dans Sourate Al-Baqara, où Dieu dit Al-Hajj Ashhur Ma'lumat, Faman farada fihin al-Hajj, Fala rafatha, Wala fusuka, Wala jidala fil Hajj. Et c'est pratiquement l'un de nos conseils. Dans tout ça, là, ce que moi je vais utiliser, c'est Wala jidala fil Hajj. Celui qui a l'intention d'aller à Hajj, wallahi, moi, là, si je peux même dire l'unique conseil ou bien que je vais donner à la personne, c'est de faire tout pour ne pas se bagarrer avec des gens là-bas. Éviter des discussions inutiles, des bagarres, des querelles. Parce qu'on va se dire qu'on sait déjà, il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va à Hajj, il fait Hajj, il ne fait pas Fousouk, il n'a pas de rapport intime avec sa femme ou bien son mari, et il ne fait pas, comment l'appelle-t-on, les querelles, les disputes, ou bien les, quels que soient les péchés, il y a des tafsirs beaucoup pour Fousouk. Donc il a dit, la personne va revenir à la maison, pardonner de tous ses péchés comme s'il vient d'être né. Donc c'est le seul conseil que je vais donner. Faites tout pour éviter d'avoir quelques problèmes que ce soit avec quelqu'un du moment où vous quittez ce pays jusqu'à votre retour. Et je vais vous dire que vous avez du pain sur la planche. Parce qu'à chaque moment, à chaque étape, à chaque lieu, à chaque moment de Hajj, c'est le problème seulement. Vous allez voir des gens vont vous pousser. Parfois, vous vous demandez si vraiment tout le monde a eu cette information-là. C'est pourquoi j'insiste sur ce fait-là, de faire tout pour ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Wallahi, quel que soit, même si vous avez raison, pour votre propre intérêt, wallahi, pardonnez seulement quoi. Quelqu'un vous fait pardonner seulement. Si vous écrivez ça sur votre chemise même, moi c'est pardon. C'est mon seul conseil. Qu'Allah facilite le Hajj pour tout le monde. Et nous demandons à Allah, nous sommes impuissants en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire que c'est cet effort-là que moi je vais mettre pour que le jour de la résurrection soit parmi les paradis. On n'a pas cette force-là, mais c'est Allah seulement. On lui demande de nous faciliter. Nous lui demandons de nous faciliter l'islam. Et les erreurs que nous commettons, on lui demande de nous pardonner. Que ce soit intentionnel ou bien non intentionnel, qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah fasse à chaque moment que nous savons que notre propre intérêt, c'est l'islam. Pas d'abord l'au-delà, même dans ce monde-là même. Et essayez, wallahi, essayez, vous allez voir. Vous seulement, 24 heures sur 24, il faut savoir que les surveillance caméras, excusez-moi, j'ai perdu le mot en français, les caméras là, voilà, les caméras non, sont braquées sur nous, 24 heures sur 24. Il faut que tout le monde sache que 24 heures sur 24, les caméras de Dieu sont branchées sur nous. Et ne faites jamais quelque chose où vous serez mal vu dans ces caméras-là le jour de la résurrection. Voilà, c'est un grand enjeu. Et je vous en prie, n'oubliez jamais, je ne sais, peut-être j'ai mal développé, j'ai mal parlé, mais comprenez mieux que ce que je vous ai dit. Allez à la maison ce soir ou bien la nuit avant de vous coucher
essayez de voir comment vous pouvez pratiquer ça, mettre ça en pratique pour toujours. Qu'Allah facilite. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب On demande à Allah d'instaurer la paix dans tout le monde entier. La paix, la paix, la paix. Wallahi, c'est une bonne chose. Et on remercie Allah que dans ce pays, nous avons la paix. Et c'est cette entente mutuelle-là qu'Allah fasse que cette cohésion sociale puisse être mieux même que ce que nous avons maintenant. Parfois, il y a des gens externes qui veulent nous diviser. Nous le savons, l'histoire nous le montre déjà. Mais parfois, on ne se rend pas compte. On se laisse des petites choses nous diviser. Qu'Allah renforce cette relation que nous avons entre nous. Wallahi, vivre en paix, c'est la meilleure des choses que l'on peut avoir. Qu'Allah nous donne la paix, qu'il nous donne la paix et qu'il nous donne une bonne fête. Sabitna l'Iman, Patafana l'Islam, Allah mazidna l'Iman, Birahmatka ya arhamar rahimin, ya rabbil alamin, subhan rabbika rabbil izzata maïsifoun, wa salamu ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Akim as-salam.